Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo duel, mais cette fois-ci une vidéo duel spéciale puisqu'on va présenter le deck de structure Bête Sacrée en compagnie de Shimul. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc Bête Sacrée, un deck qui était inexistant avant, toujours pas dingue, et qui est devenu extrêmement bon. Ah ouais? C'est un très bon rogue maintenant. Ah, c'est moi qui commence, on va faire ça tout de suite. C'est un rogue même plus que correct. Alors qu'est-ce que je fais de ça moi? Ok. Ouais. Un deck très intéressant que je vais me faire en IRL. Parce qu'il est très 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 cool. Parce que les supports sont incroyables aussi, il faut le dire. Ils ont, pour une fois, ils ont super bien étudié le deck, ils ont super bien fait les supports et tout, donc là c'est vraiment, il n'y en a pas un seul qui est mal, qui est mal branlé. Ah bah oui, je vais faire ça. Ils se sont dit, on a un gameplay les mecs, on a trois monstres différents, on va les regrouper sur un gameplay. Alors que Red Eyes, ils ont dit, on a un monstre, on va le faire en quatre gameplays. Rien à voir. Tac. On va faire norme bien, je crois. Dark Beaconing. Ouais, en fait, elle permet de negate avec Amon. Ouais. On va faire ça. Permet de negate avec Amon, c'est ce qu'on va faire. Tac. Récupérer Amon. On va one for one. Ah, ok. La première ligne de Cerulean, elle sert un peu à rien. Dès que tu peux target des face down au lieu de face up. Spell, oui, ouais, cool, donc non, spell, en fait, okay. Ça compte beaucoup puisque tu peux. Oui, tu peux utiliser des normal spells en fait. Mm. Tu t'étais même plus. Avec la première ligne, t'es même plus obligé d'utiliser des continuous. Mm. Là, on récupère Fallen Paradise. Voilà, calé. On va même piocher deux, on va se donner ce luxe là. Ah, il fait quoi lui? Il invoque spécialement un monstre démon. Ouais, c'est pas mal. Patrol, on va invoquer Chaos Core. Ah oui, t'as eu tous les supports en main. Moi, ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu que les rééditions de cartes qui servent à rien. J'ai eu toutes les reprints qui sont inutilisables en main. Toutes les cartes qui servent à rien, moi, je le veux. Ah oh ouais, là j'ai une main, mais monstrueuse. Gros, t'as eu tous les supports du deck, genre vraiment. Moi j'ai toutes les cartes dans ma main. Oh, ma main était monstrueuse, ma main, incroyable. Toutes les cartes que j'ai dans ma main ont au moins 10 ans d'âge chacun, genre vraiment. Elles ont toutes 10 ans, no joke. Bah bonjour. Alors c'est quoi ça? Ouais, allez, vas-y. Allez, Amon Battle. C'est vrai que le coup, si j'ai un Street Patrol, il est pas mal. Mais non, alors, ouais, il est un peu lent. Là, il m'a beaucoup aidé, mais sinon, il est vraiment trop long ce monstre. Le reste du support se suffit à lui-même. Vraiment. Et en plus, je peux te negate. Ouais, je peux la negate, mais ça, je m'en fous. Je pense pas que t'es ce qu'il faut pour pouvoir invoquer. Ouais, voilà. Malheureusement. Je viens de la piocher. Ah, ça sert à rien, tiens. J'ai remarqué que ça sert à rien. Ça négate juste l'effet, ça détruit pas ou ça négate pas l'activation. D'accord. Ok. Bon, t'auras peut-être plus de chance sur celle-là. J'ai une nouvelle carte dans ma main. Mais il fait quoi, lui ? Elle sert à rien et toutes mes autres cartes ne servent à rien. Hmm. Ouais, ça c'est un peu naze. Ok. Bah go. Hein. Ok. J'ai des combos à faire avec ça, mais. Ah, moi c'est fini, hein. J'ai utilisé toute ma luck tout à l'heure. Hein. Bah pas moi, mais ça va. Ah, juste la révéler.
Ah, attends, ça peut être sympa. Attends. Ah oui, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. C'est pas folichon tout ça, hein. Hop. Eh mais putain. Non, Ça, c'est du gameplay. That is the gameplay. Ah, bon, allez, ballsy time. Alors, qu'est-ce que j'ai banni? Est-ce que j'ai perdu? Je sais Alors. pas. Ah, ça c'est bien ça. Bah oui! Oui, c'est bien. Bon, t'auras pas de battle phase, mais c'est déjà vachement bien. Pas grave. Enfin, si t'as une battle phase, mais je crois qu'ils peuvent pas attaquer. Ouais, ça, tu peux pas attaquer. Bon? Ah oui, monster ne contre pas aux armes. Discard, add. Ah bah c'est bien ça. Bon attends, normalement je crois que c'est lui le meilleur. Hein, parce que lui. Ils sont tous bons à leur manière, mais Ouria est un peu le moins bon du groupe en vrai. Ah, c'est ça. Attends. Ah non, si, c'est bon. Parce qu'il y a moyen de faire des trucs sympas là. Ah, c'est qu'une fois par tour qu'on Ouais, a fait? ouais. Marqué où? Une bonne question. Ah oui, c'est au milieu du son d'effet, d'accord. Pas grave. Bon, du coup, j'aurais dû le faire. J'aurais pas dû le faire sauter. Ok, si, maintenant, je peux Vrai, tu plus. peux peut-être le tribute pour par l'effet de Raviel et refaire son effet pour ah non. Ah non aussi. Tu peux le retribute avec Raviel Oui, mais non, je peux pas. et tu rebannis Oui, Dark mais je peux pas. Souvenir. Non, Pourquoi? je peux pas. Je peux pas. PKT. Mais je peux pas. Ok. Tu veux pas non plus? Non, je peux pas. Mais je regardais si j'avais autre chose à faire avec ma MP. Mais... Ah bah, c'est sympa ça. Écoute. On fait ce qu'on peut, hein. Du coup, cette carte en Fait plus, c'est quoi, pas grave. hein? Ouais, non. Non, ça vaudrait pas la peine. Non, mais je vais rester comme ça, écoute. Je peux pas faire grand-chose, là. Bah, ton tour. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû attaquer, faire fermer une phase de. Oui, t'aurais pu. Tour mort. On va faire ça du coup. Bonjour. Et c'est là que t'aurais dû spé Amon en def. Oui, c'est vrai. Ah, je sais pas, là, je sais pas, c'est pas Tu veux pas le envoyer un dégage. token au cimetière. T'aurais dû spé Amon en def parce que comme ça j'aurais pu attaquer que lui. Ou alors t'as de la chatte et tu pioches. Ah non, Raviel, il est déjà au cimetière. Toute manière. Ah, une bonne carte! Ah, c'est pas mal, j'aime bien l'idée.
J'aime beaucoup l'idée. Pourquoi je peux pas faire son effet? Ah merde, non, maintenant je me suis planté de monstre. Ah bah non, oui, je suis trop con. Bon bah coup de go. Hein. Coup de go. Oh! Ok. Ah oui, c'est pas. Ah oui, d'accord. Oui, ça pouvait pas mal. J'avais oublié cette partie de l'effet de cette magie. Non, c'est sympa ça, voilà quand même. Hop, il y a lui aussi. Ah bah voilà, oui. Bon, en général, tu. Dans la vraie compo du deck, t'es pas censé l'invoquer lui. Ouais, bah il fera le taf. Hein. Mais là ouais. Non, j'ai envie. Bah, l'attaque, hein. J'ai pas envie de faire ça parce que. Toi, tu dégages, parce que voilà. Ah oui, en plus. Ouch! Paf! Oh là, les premiers dégâts du duel. Oh no! Là, je peux pas le faire, j'ai pas de carte en main. Oui. Casse les couilles. Non, bah non. Si ça continue, j'ai perdu. Hein. Enfin, j'ai 10 cartes en moins. De... Oui. De cartes en moins. Oh, il a récupéré Fallen Paradise. Là, je peux quand même rien faire. Quoi. Ah, moi aussi, je peux le faire. Ah merde. Du coup, ça ne sert plus à rien de la garder en main pour moi. Je vais me décaout. Oh bah attends, je vais faire ça là, hop, comme ça voilà, paf. Ouais, comme ça, la prochaine fois que j'activerai une magie, tu pourras la négate. Allez. On va se décaout, hein. Et en vrai, il te manquerait plus que. T'ajoutes Ouria, il te manque une piège con... plus qu'une piège continue, t'as les trois. Hein. Non, mais je peux pas ajouter Ouria. Ah bon il en... Tu l'as en main? Non. Ah, il est banni. Dommage. Dommage parce que t'aurais pu. Hein. Ah, bah attends, allez hop, on va prendre ça comme ça si jamais. Hop. Ouais, bah là, ouais, j'ai plus d'effet de monstre. Voilà, t'as plus rien maintenant. Et même, on peut même faire ça. Comme ça, j'évite que tu. Voilà. Vas-y, on va faire ça aussi. J'espère niveau 1 de Tam 20. Oui, bonjour. Je pensais qu'il gagnait. Ah oui, c'est dans ma main à moi. Je pensais que c'était dans la main adverse. Je sais pas pourquoi. Ah non. Bonjour, Trégonia. Pas grave. Ça, je pourrais te faire des 600 de dégâts par tour. Paf. Ah, ouch. En vrai, j'aurais pu attaquer. Vu... Ah non, du coup, j'ai bien fait de pas l'attaquer. Oh non, tu vas envoyer une carte. Attends. Ça ah non, tu vas le bannir. Ah, casse-toi. Jusqu'à la end phase. Hein. Ouais, c'est pas grave. Jusqu'à la end phase ou jusqu'à la next end phase? Ah non, c'est. Ah, ouais, quel dommage. Oh, mais c'est que ça pue la bite. Ouais, j'ai un bon setup. Hein. J'ai 13 tours pour te buter. Ouais. Ouais, je pense que t'en auras pas besoin d'être. Negate? Oui. Ok, bah ouais, reste sur le terrain. Ah, du coup, il se met en défense pour son negate? Ouais. Mais c'est trop bien parce que non seulement tu negate, mais après, il devient l'unique et seul target d'attaque possible. Oui, c'est vrai. Donc, on va voir, c'est très très bien. Oui, t'as gagné, là, j'ai. Bon, j'ai envie de draw. Non, ça sert à rien de faire ça, c'est un peu dangereux. Ouais, vas-y, juste double battle, vraiment, c'est bon. Oui. Paf. Non. Allez, hop. J'aurais plus de draw, encore deux. J'ai oublié. Putain, si j'avais pas banni Warrior, j'aurais pu faire la fusion. Mais la fusion, en fait, ça sert vraiment à rien, quoi. Genre, c'est mieux d'avoir un monstre que la fusion.
Avec le setup des trappes et des magies. De quoi? Les fusions ne servent vraiment à rien, quoi. Ah, mais tu le sors tellement facilement. Oui, mais il sert à rien. Bah, non ciblable, non destructible au combat, ni par effet de carte, et il a 10 000. Non, c'est que pendant ton tour. Hein. Pendant ton tour adverse, il a 0. Bah oui, mais il est pas ciblable par une attaque. Alors. Dû à l'effet de la magie de fusion. Cadet Destroy by Battle, c'est tout. Dû à l'effet de la magie de la fusion. Oh, mais ça, tu t'en fous. Bah non. En fait, genre, alors, à côté, alors, soit t'as un monstre, un gros beater, c'est tout, soit t'as un skill drain. Mais alors déjà, mais le skill drain, déjà, il peut se faire niquer. Mais ton monstre aussi. Ah non. Si tu l'as bien set up avec Fallen Paradise et l'effet de la magie de fusion, t'es bon. Hein. Et en général, tu finis dans le tour. Nightmare Unicorn, il est fait. Bah non, il est passé. Ça cible Unicorn. Justement, je crois pas, c'est pour ça. Juste... Attends, je vais vérifier parce que ça me paraît bizarre. Non, attends, ça, toi ici, on va faire ça tout de suite. Bon, je vais l'activer tout de suite parce qu'elle me pétait les couilles sinon. Okay. En fait, le but du deck, c'est vraiment d'être un OTK. C'est pas un contrôle. Bah justement, si, avec les nouveaux supports, c'est beaucoup plus contrôle qu'OTK. T'as tellement de negate avec les supports. Attends, t'en as deux. T'as Awakening, mais faut réussir à mettre deux bêtes sacrées, quoi. Et t'as la magie d'Amon. Non, ça cible licorne, donc ça passe pas. J'ai envie de faire ça, c'est ballsy. Donc avec licorne, tu peux pas dégager. Tu peux pas dégager Armitil. Je trouve quand même qu'elle vaut tellement moins que d'avoir les monstres eux-mêmes. Bon, disons que moi personnellement, je joue fusion en 1 et je joue la magie de fusion en 3. Comme ça, dès que j'en ai besoin. Moi je dirais la fusion en 1, juste alors s'ils sont dans ton cimetière, toi tu les bannis pour l'aspect, tu vois. Bah tu joues chaos, en fait si tu joues chaos core, genre, tu fais juste norme chaos core, l'adversaire l'attaque, tu fais effet, t'envoies 3 bêtes sacrées de ton deck au cimetière, et au prochain tour c'est fusion. Mm. Et en attendant, chaos core il peut résister avec 3 attaques sans dommage. Alors attends... Ouais. Et la magie de fusion, en vrai je pense peut-être la jouer peut-être en 2, je pense. Parce que Trilogique, il est sympa aussi. Trilogique est déjà un petit peu mieux. Ouais. Bah, il est moins bon qu'Armitier, mais il est cool. On va faire toi et on va mettre ça. C'est pour ça, peut-être la Dimension Fusion Destruction, peut-être en juste en 2. Ouais, bah, on parle du loup. Putain, mais. Attends, je fais quoi? Bon. Ah. Hop. Oui. Non. Bah du coup toi. Je peux faire ça. Est-ce que bah, du coup elle peut être utilisée en tribute pour Amon et Uria. Pour Raviel et Uria, pardon. En plus, si jamais t'as envie de mettre un petit Needle Fiber. Quoi, c'est un Santo? Ouais. Ah ouais. Marrant. Bon, après, c'est ultra lent, mais. Mm. Genre, tu peux la jouer dans. Si tu peux la jouer en Paléozoïque. Si t'as envie de mettre Needle Fiber en Paléo. Je vais l'activer tout de suite, comme ça. Mais je vois difficilement l'intérêt. Draw. Needle Fiber en Paléo, c'est pas. Oh, c'est drôle, bordel! Amon et Uria. Comme dans l'anime, quoi. Ah, c'est la drôle du destin, c'est incroyable. On sait plus que ta magie de fusion, quoi. Non, elle est bannie. Ah, merde. De toute manière, je l'aurais pas joué. Ah, merde! C'est un peu con, ça. Oui, c'est Fallen Paradise. Ah, ouais, mais je pensais pas que. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Pas vraiment un problème. Ouais, c'est pas folichon.
Donc pour l'instant, c'est... j'ai vu mieux quoi. C'est... En fait, j'ai vraiment utilisé toute ma luck au premier tour, au premier duel. J'ai vraiment draw 2 par tour quoi. Genre. Ouais, tu draws 3 par tour, c'est n'importe quoi. Ouais. Attends, quoi ? Ah oui. Ah ah ! Un plat de token. Mouap. Coucou. Mouap. Coucou. Ils sont sympas, j'aime bien. Une bonne tête. Oh, attends, c'est quoi son effet ? Ouais, tu peux spare un token. You can tribun one monster. Et tu gagnes son attaque, ouais. Oh, c'est sympa. Ça sert à rien, mais... Ah, attends, si. Vu qu'ils ont tous 0 de défense. Ah, en plus, c'est obligatoire. De quoi ? Son effet de meule. Oui. Paf. Ouch. Oh là là. Ça joue bien de mon côté. Allez, allez, allez. Et merde. Ah ah. Bon, c'est pas mal. Oh non. C'est pas si mal. Ça me permet de tenir un peu plus. Mais... Oh, c'est rigolo ça. Quoi ? Rien, rien. Et du coup, je contrôle. Quoi ? Ah oui, il y a ça. Putain, fait chier, j'avais oublié que je pouvais pas du coup. Oui. Je sais pas de quoi tu parles, ah, mais oui. Bah, je peux pas les reflace up. Ah oui. Putain, je dis aussi. Faut que je pioche MST. Ce combat qui est tellement. Tu l'as pas banni, MST. Non, j'étais en train de vérifier. Ok, attends, du coup, lui fait quoi déjà ? Nul celui-ci. Il y a des reprints un peu nuls, oui. Donc, Non, Chaos Core. Chaos Core ? Non, il est pas trop mal. Mais c'est un 0-1, quoi. Non, c'est un 3. Il est level 3. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. C'est dans un deck, 0. Tu le mets en 0 ou un exemplaire. Ah oui, bah plutôt 0. Ah non, en vrai. Permet de setup ton graveyard si t'as besoin. Pour faire la fusion, justement. Ah, c'est quand tu es normal, human. Fais-y donc. Je sais pas, hein, moi je me dis qu'un jour ça sera pratique hein, d'avoir ça. Ça c'est la deuxième là du coup. Ouais. And another one. Ah non, le chupacabra. Si, el chupacabra. Ah oui. La pour de la victoire. C'est de la merde. Bon bah la bise. Hein, ça... Ouais la bise. Hein. Alors. Je pense avoir beaucoup de cartes. Oui. Bon bah écoutez, j'ai eu de la log jusqu'au premier, tant pis. Ah, j'aurais bien aimé. Mais héros est nul celle-là, elle sert à quoi ? Là du coup j'allais les reflip et du coup j'aurais pu respect des tokens. Ah. Activate, va bah, dégage du coup. Écoute, voilà comment ça s'est fait. Attends, je vais venir ça. Bah si tu sais quoi, je draw 2. Mmh. Hop là. Oh attends, je peux faire ça. Oh oui, je peux faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Dark Beaconing Beast ? Elle dit quoi, Dark Beaconing Beast ? Ah oui, pour additional, ok.
Allô ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, là ça commence à faire du monde là. Oh, c'est bien ça. Moi j'aime bien. Bon après ils sont que deux. Mais... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc faudrait que je sette une à la fin du tour. Ah non, fallait pas attaquer lui. Ah là là. Mets une phase 2. Ah là là. Je sette toi. Attends, c'est 7 maintenant, on va voir. Hein. Ah oui, bon bah. Toi, dégage, je crois, SP à un monstre de mon deck prochain tour. Mais putain, je partais de piocher de la merde. Au secours. Hop, allez, on continue. Hein. Hop. N'empêche que bientôt je vais me deck out. Hein. Ouais, ça serait marrant, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Je vais récupérer Ourir. Ah. Oh, viens là, toi. Mais je pense que c'est mort. Ah, c'est quoi son effet? Ah! Biopiensoke, Stamuerto. Oui, il passe à 8000, il peut attaquer tout le monde. Ouais! Tout pratique, hein? Oui, alors attends. Lui, il dit. Ok, et donc là, j'ai. Bah, si tu doubles le battle, t'as gagné. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, faut que j'envoie un monstre au cimetière. Moi, je vais faire toi. Oui, j'active son effet. J'envoie toi. Du coup, je le roi. Vas-y, décale ouais. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Allô? Oui, bah bien sûr. Attends, j'ai trop le seum que je peux faire ça. Pas grave. Ça commence à faire du monde. Attends. Mais il peut attaquer. De toute façon, j'ai gagné. Oui. Là, on trappe 7. J'avais, j'ai 7 de Hyper Blaze que je venais de 7. J'aurais pu Spuria au prochain tour. Ah. Ouch. Oh, et j'aurais pu. Putain, j'aurais pu spé à monstre sur sourcil si j'étais, si j'avais réfléchi. J'avais une magie continue et MST dans ma main. Et avec vu que j'avais la magie continue de Amon, j'aurais pu spé. Ouais. Bon, alors du coup, je vous fais un bref, une brève vue des cartes. Vous ferez pause si vous voulez pour lire les effets, machin chouette. Toi, qu'est-ce que t'en penses du nouveau support? C'est du bon support de Locke en soi. Enfin, les deux MP, là, les deux MP continues sont très fortes pour Locke. Après, bon, le deck reste pas très fort, mais le support le rend jouable, quoi. C'est un très bon rogue. Moi, je sais que j'ai roulé sur le Eldritch de Clem avec ça. Ouais. Pas du tout au niveau truc, mais je me dis que c'est du coup ça le rend jouable. Bah, c'est alors même plus que jouable parce que ça. Non seulement t'as une protection qui est monstrueuse pour tes boss monsters, mais t'as tellement moyen de. T'as tellement de moyens de gagner. Soit tu pars en OTK sur double Raviel, donc Raviel plus Crushing Fist, où tu peux attaquer à 8000 tous les monstres adverses. Soit tu pars en mode full lock, tu arrives à caler Amon et Raviel, et tu mets Awakening et Cerulean Facekeyer, donc tu lock ses magies et tu lock ses effets de monstres. C'est très fort ce lock. Ah. La Awakening est très forte, mais le problème c'est que va se péter monstre. Ça reste toujours assez dur. Même si les supports, il y en a un qui se pète du deck, un qui se pète de la main, je crois. Alors, t'as Chaos Summoning Beast qui se pète plus la main, puis tu peux le bannir pour aller chercher la magie de terrain. Ouais. T'as Dark Summoning Beast qui se pète du deck, mais t'as pas de. Tribute. Oui, c'est un niveau 5, tu le tributes pour se péter du deck. Mais lui, tu peux l'invoquer assez facilement si tu normes Dark Beaconing Beast, comme Dark Beaconing Beast, mais oui, déjà, te permet d'aller chercher quelque chose. Te donne une normal summon, donc soit tu peux partir sur un Chaos Summoning, soit tu passes sur une Dark Summoning. Chaos Core, c'est clairement le moins bon des supports, mais il a quand même un petit. En fait, il est là pour deux choses. Il est là pour deux choses. La première chose qu'il est là, c'est pour temporiser et garder un démon sur le terrain pour invoquer Raviel. Ouais. La deuxième chose pour laquelle il est là,
c'est que quand tu l'invoques, tu peux envoyer Ravil, Ouray et Amon au cimetière, et donc ça te permettra de faire la magie de fusion, qui bannit depuis le cimetière, depuis la main, le cimetière et le terrain, pour invoquer un Armitil assez boosté. À moitié, puisque tu pourras pas prendre de dommages de combat quand il sera à zéro. Donc il est non destructible au combat de base, et il sera non ciblable par Flame Paradise. Je pense que pour vraiment le Tormentplane, il faudrait ressortir un Armitil, ou enfin un monstre fantasme, qui soit vraiment bon. Ce Armitil, je trouve vraiment pas dingue. Bah disons qu'Armitil, il est là pour terminer le duel, clairement. Ouais. Il a, disons que t'as besoin de passer en combat n'importe quoi. En fait, il passe au combat n'importe quoi. Et en plus, là, je précise que la magie de fusion... J'ai trop vu de decks de gens qui jouaient ça, qui avaient un bon setup avec les deux, enfin avec le combo de MP qui disait que t'avais plus de magie piège et plus de monstres, qui faisaient le fusion et qui du coup se prenaient une counter ou un negate sur le truc et du coup perdaient tout en fait. Si, tu peux negate son invocation à tout moment. Bah en fait, attends... Oui, alors tu peux pas negate l'activation de la magie, donc tu peux pas negate l'invocation. Et combien de fois j'ai vu des gens se faire baiser à cause de ça en fait, genre, bah, en fait, ils ont le maître du terrain, ils ont le contrôle du terrain avec les deux. Ouais. Ils invoquent le fusion, enfin je sais plus quel truc, ils invoquent le fusion et ils se font baiser instantanément parce qu'ils n'ont plus aucune negate du coup. C'est pas possible. En fait l'invocation de Armitil, tu peux pas l'annuler. En fait, la magie a dit que si tu contrôles Raviel, Ouria ou Amon, l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Mais ça veut dire que tu actives la carte, il ne va pas annuler l'invocation puisque. Au moment de la résolution de la carte, comme l'adversaire n'a rien pu faire, et ben Armitil est invoqué. Donc en gros, tu ne peux pas annuler l'invocation d'Armitil, puisque tu ne peux pas annuler la magie qu'il invoque. Ouais, mais derrière, genre, t'as plus de denegate en fait. Genre. Bah, après, si t'arrives à faire Armitil tout en gardant une autre bête sacrée, il compte pas dans Awakening ? Non, il compte pas dans Awakening. Non. C'est un peu dommage. Non, plus que les trois. C'est un peu dommage. C'est pour ça aussi. Il compte que dans la magie de T1. Oui, parce que c'est un 10 ou plus. Non, il n'y a pas d'histoire de 10 ou plus pour la magie de terrain. Non, c'est dans le monde. C'est Ouria, Amon, Raviel et Armitil. Mais Armitil, il est déjà pas ciblable grâce à la magie de terrain. On est non destructible au combat et tu prends pas de dommages. Il manquerait une protection par les effets de carte, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas, je trouve vraiment mais. Donc en fait, Armitil, tu peux le sortir pour finir la game si vous sais jamais. En fait, t'es obligé de le jouer. Pas, même genre, si ne serait-ce qu'une one-off. Tu as tout seul, sauf qu'il t'apporte de negate en plus. Ouais, mais bon, je préfère toujours avoir au moins une Dimension Fusion Destruction et un Armitil en extra deck. Ou alors ne serait-ce que. La fusion 1, tu vois. Ou alors ne serait-ce que pour sortir Trilogique, quoi. Ce Trilogique, à chaque fois que. Enfin, bon, une fois par tour, quand t'as un monstre adverse qui est SP, tu peux infliger des dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine. Donc, disons que si l'adversaire lui reste plus grand-chose, bah tu mets Trilogique, il peut pas invoquer au prochain tour. Si ses PV sont low. Ça peut être un moyen de lock les monstres aussi également, Trilogie. Lui, pareil, lui, il a pas de protection non plus, quoi. Enfin, si, à part avec la fusion. Mais... Bah, la seule. Ouais, non, la magie de fusion. Non, lui, il aura zéro protection, par contre. Il aura vraiment zéro protection. Mais après, on n'est pas obligé. Tu passes d'un board qui est full protect avec skill drain, etc., à un board justement... qui est protégé de lui, quoi. Ouria, Amon et Raviel, ils sont joués en deux. Tu les joues en deux chacun. Donc tu peux t'en servir de deux pour faire tes full negate et tu peux terminer sur un Dimension Destruction en bannissant les autres, mais tout en gardant deux. De toute manière, dans le deck, tu vas me la mort. C'est vraiment en les bannissant, quoi, parce que quand ils sont sur le terrain, ils ont trop de potentiel pour les bannir, je trouve. Mais oui, c'est ça. En fait, tu utiliseras que ceux qui sont en main ou dans le cimetière. Ouais. Jamais tu utiliseras ceux du terrain. Sur le terrain, ils apportent trop d'avantages. Bah oui, c'est ça. D'où Chaos Core, j'ai supprimé la magie par erreur, d'où Chaos Core qui permet de meule un peu. Permet de meule 3. Parce que ce sacrifice inutile ne peut pas faire. Donc voilà. De toute manière, c'est un deck qu'il y aura pas mal de façons de le jouer. On peut le jouer un peu comme on veut. Et il y aura toujours des résultats pas trop mal, je pense. Donc en fait, comme disait Clem, et on en discutait l'autre jour, c'est un bon rogue. Donc voilà, et bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le deck Sacred Beast. On se retrouvera donc pour le prochain deck de structure. Qui est les familiers possédés. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Merci.